profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Nous sommes enfermés dans notre salle de classe depuis des jours, et notre professeur commence à se comporter de façon très étrange. Premier jour. Nous venions d'ouvrir nos manuels au chapitre 8 lorsque les alarmes ont retenti. Une lumière rouge stroboscopique tournoyait près de la porte, tandis que les lamelles de métal glissaient le long du mur pour nous enfermer. Les autres ont commencé à s'agiter et à paniquer à leur bureau. Allons, allons. Je suis sûr que tout va bien, ce n'est probablement qu'un exercice. Monsieur Jonas leva la main pour tenter d'apaiser la foule. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la bouche, Evie est entrée dans l'interphone. Contagion de niveau 3, détecté dans le cadran sud du campus. Le protocole de verrouillage est maintenant en vigueur. Oh non. Le professeur devint soudainement pâle et un peu paniqué lui-même. Troisième jour. J'ai fait glisser ma tour sur l'échiquier carrelé pour prendre le fou de Patricia. Elle a tiré la langue en signe de défi lorsque je l'ai retirée de l'échiquier. J'ai souri et j'ai enfourné un autre biscuit salé dans ma bouche. Monsieur Jonas a dit que nous ne devions pas rester ici plus longtemps. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies avait probablement besoin d'un peu de temps pour mettre la contagion en quarantaine et l'éradiquer. Il a dit que ça devait être un virus assez méchant s'il nous gardait enfermés dans nos salles de classe. Nous avons assez d'encas pour un jour ou deux. Il est difficile de se rationner correctement lorsqu'on n'a que des crackers et des bonbons ou du fromage en boîte. Dans l'ensemble, nous gardons espoir et c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous restons positifs pour l'instant. Cinquième jour. La pièce commençait à sentir mauvais. Nous avions désigné des seaux dans le coin comme salle de bain et ils étaient à moitié pleins et plus que putrides. Nous n'avions plus rien à manger hier soir. Mon estomac grondait de faim, mais je faisais de mon mieux pour l'ignorer. Je n'avais plus envie de jouer aux échecs ou de lire. Je me contentais de faire la sieste à mon bureau pour passer le temps. J'espérais que les portes s'ouvriraient à tout moment pour que je puisse rentrer chez moi. Mes parents me manquaient. Monsieur Jonas perdait aussi son calme. Il avait été plutôt calme jusqu'à présent, et s'était assuré que nous restions tous calmes. Mais ses yeux étaient devenus un peu fous, et il n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans la pièce, en se parlant à lui-même. À plusieurs reprises, j'ai entendu jurer sous sa respiration, puis réciter des prières. J'espère vraiment que nous sortirons bientôt d'ici. Huitième jour. Un bruit de martèlement venant de l'autre côté de la salle de classe m'a attiré de mes rêves. Je suis resté immobile pour paraître endormi, mais j'ai ouvert les yeux juste assez pour voir le professeur de biologie frapper une chaise contre la porte en acier, encore et encore. Il était vraiment en train de perdre la pédale. Laissez-nous sortir d'ici ! Hurla Monsieur Jonas en jetant la chaise sur le côté. Je ne peux pas faire ça, monsieur. Une contagion de niveau 3 a été détectée. J'ai bouclé la zone affectée. Mais vous devez rester isolé pour votre sécurité. La voix robotique vrombit dans les haut-parleurs. Il hurla des blasphèmes à la caméra située dans le coin du plafond. Certains des autres garçons devenaient eux aussi agressifs. Il y avait eu quelques bagarres les deux derniers matins, et il y avait eu aussi des mains qui allaient là où elles ne devraient pas aller, derrière les fausses plantes et le matériel de laboratoire. Il semblait que nous étions en train de sombrer lentement. Nous devenions un enclos de chimpanzés, comme ceux que l'on voit dans les zoos, mais en plus affamés. Nous devions sortir, ou quelque chose de terrible allait se produire. Dixième jour. Depuis 5 jours, nous nous nourrissons d'eau du robinet. Je me sentais étourdi à chaque fois que je me levais de mon bureau. La pièce tournait et je manquais de m'évanouir. Je tenais bon à force de volonté. J'avais cette peur irrationnelle que si je m'évanouissais, je serais dévoré par mes camarades de classe, comme une meute de hyènes sur une gazelle, se régalant de mes intestins qui se répandaient sur le sol carrelé. Cela semblait fou si je le disais à haute voix,
Mais quand j'ai regardé dans la salle et que j'ai vu tous ces visages affamés, j'ai pensé que l'idée n'était pas si farfelue après tout. Monsieur Jonah n'a pas dit un mot depuis plus de 12 heures. Il est resté assis à son bureau, gravant quelque chose sur la surface de celui-ci avec un couteau exacto. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai pensé que nous allions peut-être ne pas nous en sortir. Peut-être allions-nous tous mourir dans cette salle de classe. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à pleurer. 13e jour. Monsieur Jonas, Monsieur Jonas, arrêtez! Mika a crié. Tu ne vois pas? Nous devons le faire. Nous avons besoin de nourriture. C'est une question de survie. Quand la meute souffre et que la nourriture se fait rare, elle se tourne vers son membre le plus faible. C'est de la simple biologie. La survie du plus fort. Monsieur Jonas avait les mains autour du cou de Trevor, serrant si fort que les yeux du garçon étaient sur le point de sortir de son crâne. Trevor se débattait sous lui, mais il était si frêle et terriblement petit pour son âge. Mika saisit un grand gobelet sur la table et le souleva au-dessus de sa tête. « Monsieur Jonah, arrêtez! Ne m'obligez pas à faire ça !» Mais le professeur était parti depuis longtemps. Ses yeux brillaient de plaisir tandis que de la bave coulait sur son menton, à force de saliver à l'idée du repas. Je me suis levé d'un bond lorsque Mika a fait tomber le gobelet aussi fort qu'il le pouvait sur la tête de Monsieur Jonah. Le gobelet s'est brisé en morceaux sous l'impact, assommant le professeur. J'ai aidé Mika à le repousser de Trevor. Le pauvre garçon avait une respiration sifflante et haletante, et des larmes coulaient sur son visage. « Tout va bien, ça va, tout va bien !» Mika tapota le dos de l'enfant, essayant de le calmer alors qu'il gémissait. Soudain, nous avons entendu un cri de guerre, et Monsieur Jonah naquit dans les airs. Il a sauté par-dessus un bureau et a foncé sur Mika. Ils s'étalèrent tous les deux sur le carrelage. Mika lui a résisté, mais Monsieur Jonas s'est retrouvé au-dessus de lui et a commencé à donner des coups de coude vicieux sur le visage de Mika, faisant jaillir du sang de son nez et de sa bouche. L'électricité statique a envahi mon corps et mon esprit. Je n'ai pas réfléchi et j'ai seulement réagi. Je me suis baissé et j'ai ramassé un morceau de verre du gobelet cassé. J'ai attrapé les cheveux hirsutes de Monsieur Jonas et je les ai tirés vers l'arrière pour allonger son cou. J'ai tiré le verre à travers la chair de sa gorge aussi fort que possible. Je n'avais jamais vu autant de sang. Il a coulé en cascade sur la poitrine de Mika. Monsieur Jonah est retombé sur le côté, cette fois pour ne plus jamais se relever. J'ai regardé mes mains trempées de sang. Je ne ressentais rien. Pas de remords, pas de peur. Rien que de l'électricité statique. Soudain, les lames de métal se sont rétractées dans le plafond et la porte s'est ouverte. Le protocole de confinement a été levé. Veuillez poursuivre vos activités habituelles. Le protocole de confinement a été levé. Sa voix robotique et joyeuse semblait si lointaine et déplacée à présent. Les autres élèves se sont rassemblés autour de moi, fixant la mare de sang. Je pense que c'était la fin qui parlait. Mais une partie de moi voulait savoir quel goût il avait. Et je pense que les autres aussi. Heureusement, avant que cela ne se produise, un homme en costume est entré dans la salle. « Bonjour, la classe !» Ses dents parfaitement brillantes sous les diodes électroluminescentes. Avant que nous ayons pu dire quoi que ce soit, une équipe d'adultes en bleu de travail s'est déversée dans la salle. Certains ont commencé à prendre des photos de tout, et d'autres ont commencé à nettoyer le corps de Monsieur Jonah. Un homme aux cheveux grisonnants a déposé une grande boîte sur le bureau du professeur et l'a ouverte. Il a ensuite commencé à distribuer des barres de céréales à tous les élèves. Nous avons dévoré tout ce qu'il nous a donné. J'ai commencé à ne plus me sentir moi-même après 2 bananes et 4 barres de céréales. Ils avaient le goût du paradis, un doux salut. Le premier homme aux belles dents et au costume coûteux a attendu que nous ayons tous terminé avant de s'adresser à nous à nouveau. Je sais que ces 13 jours ont été longs, mais je vous remercie d'avoir tenu bon. J'ai prévenu chacun de vos parents que vous étiez autorisés à rentrer chez vous. La classe a éclaté en applaudissements et nous nous sommes tous serrés les uns contre les autres. Même Mika, couvert de sang. Il dansait avec enthousiasme. Vous pourrez bientôt rentrer chez vous, mais je dois d'abord faire un petit débriefing avec chacun d'entre vous avant que vous ne partiez. Je vais m'installer dans le bureau du conseiller, et Monsieur Moisier, ici présent,
va vous faire descendre un par un pour que vous donniez votre version de ce qui s'est passé ici pendant l'isolement. Nous avons tous hoché la tête, en signe d'accord. N'importe quoi pour sortir d'ici. Monsieur Moisier, l'homme aux cheveux gris et aux collations, nous a fait descendre un par un et nous nous sommes tous confiés à l'homme aux belles dents. Lorsque j'ai raconté ce qu'il s'était passé, je me sentais encore un peu engourdi. Même lorsque j'ai décrit comment j'avais tué Monsieur Jonah, je ne ressentais rien. Ce n'est qu'en rentrant chez moi ce soir-là que je me suis effondré et que j'ai pleuré. Une fois dans les bras de ma mère, j'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai alors mangé plus que jamais. J'ai englouti des pâtes jusqu'à ce que mon estomac explose. C'était une très bonne sensation d'être rassasié, d'être à nouveau humain. Des années plus tard, alors que j'étais à l'université, un dénonciateur avait révélé que ce que nous avions enduré à l'école n'était qu'une couverture gouvernementale pour une expérience top secrète. Il n'y avait jamais eu de virus, jamais eu de contagion. Au départ, il s'agissait d'une expérience visant à tester le système d'intelligence artificielle de l'école, mais elle s'est transformée en une expérience sociale visant à déterminer combien de temps nous tiendrons avant que quelqu'un ne soit assassiné ou gravement blessé. Il s'agissait de tester les limites de la civilité et de la moralité sous une pression énorme. Juste au cas où il y aurait un vrai problème avec le code de l'IA et que ce scénario deviendrait une réalité ailleurs. Lorsque j'ai tué Monsieur Jonah, l'expérience a pris fin. La nouvelle m'a rendu malade. J'ai été en colère et dégoûté pendant des semaines. Mais maintenant, ça ne me dérange plus. Trevor était peut-être petit, le membre le plus faible de la tribu, mais c'était aussi un génie. Grâce à son expertise en piratage, nous avons pu localiser Monsieur Beldent et Monsieur Moisier. Cela fait 6 jours, et à chaque fois qu'il crie et frappe la porte avec une chaise, je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est une petite expérience que quelques-uns d'entre nous mènent. Elle se terminera lorsque quelqu'un sera assassiné ou grièvement blessé. Enfin, peut-être.